Donc, nous avons commencé par la demoiselle ici qui va redonner des troupes à Miss. Elle a quoi? Elle a ça, d'accord. Donc, Cécilia, ma chérie, voudrais-tu échanger tes trucs avec lui? Donc, je veux que tu lui donnes ça. Que tu lui donnes tous les trucs comme ça. Voilà. Tout. Tout. Et est-ce qu'il y en a encore? Il n'y en a plus. Eh bien, tu vas lui donner ça. Tout. Ensuite, ça. On va remettre ça en ordre. Reprendre le 18 ici, mon petit. Alors, j'en ai déjà 3 là. Oui, attention à ça. Voilà, pour le moment, on fait comme ça. Donc, j'ai encore une place de disponible et je peux lui donner. On va lui donner. Ça parce qu'il va y en avoir d'autres. 3, oui. Ou bien alors je peux lui filer en attendant ça. Non, je ne vais pas lui donner ça. Ça, ça sera très très bien. Ceci sera très bien. C'est du chaos. Et ça, c'était chaos et ordre. Après, j'aurais pu quoi faire avec ça. Bon, tant pis. Alors, on va redonner, bien sûr, ici, ça, toi, tu prends ceci. Et puis maintenant, j'ai de nouveau une place, j'ai pas besoin de discuter plus que ça. Un ordre, un chaos, ou bien alors, des fantassins pour donner 2 d'ordre. Parce que je n'ai pas d'ordre autrement. On prend des fantassins pour l'ordre. Voilà, je prends tout. Parfait. Donc, on continue. Je lui donne ça. Je lui donne ça. Toi, tu montes là. Toi, tu me fais ceci. Ça, c'est pour de la défense. Ça, tu reprends. Je veux plus le voir chez moi. S'ils attaquent des gants, tu vas lui donner tes gants. Tu vas lui donner ton pistolet. Non, tu n'as pas de tir à distance, donc ça ne sert à rien. Tu vas prendre une main. Une petite main au choix. Oh oui, ben non, c'est la distance, bien sûr. Main au choix, on n'a pas grand chose. On essaiera d'avoir un petit bouclier. Mais pour le moment, à part ça, je n'ai rien d'autre en main au choix. Deux mains. Et non, voilà, j'ai rien d'autre. Donc, tu as quoi comme gant? 2 défenses, 1 d'attaque. 4 défenses, 4 d'attaque, c'est mieux. Non? Croyez pas, moi je crois bien. Les bonnes bottes, voilà. Ça, important, 2 ordres. Ensuite, ben, tu n'as plus rien. La robe, disons qu'elle ne va rien, elle ne va pas me servir, tout le reste ne va pas me servir. C'est fait. On va aller dire bonjour maintenant à notre... Elle va avancer, ça on s'en fout un petit peu. Elle va venir prendre ça. Non, elle peut échanger aussi avec notre ami quelques vêtements. Donc elle reprend. Lui, il va plus bouger qu'elle. J'ai plus besoin de lui que le contraire. Lui va attaquer. Voilà. Alors, parce que regardez, hein, il est déjà. Regardez, il est beaucoup plus bas en niveau. Mais 12 de défense. 77 d'attaque de mêlée, vous voyez, et en plus, avec ceci, il a 20% de plus d'attaque avec l'effet. Donc, il est bien meilleur. Surtout, alors, il a un déplacement d'escouade, ça c'est superbe. 20% de dégâts, un riposte. Et donc, ça veut dire que vous pouvez riposter qu'une fois, sauf si vous avez ça, ça fait 2 fois. Et si vous voyez, il y a certains ennemis, ils ont 999 fois. Voilà. Et voilà. Disons tout, on a bien mis tout ce qu'il nous fallait. Tu vas me prendre 11 d'attaque, bien sûr, beaucoup plus intéressant. Malheureusement, tu n'as que 5 de commandement, donc on va travailler sur ton commandement tout au début. Tu n'auras pas non plus, si tu risques d'avoir quelques personnes d'attaque à distance, de toute façon, j'ai pas d'autres 2 mains, je crois.
On se attaque, ça ne change donc rien. J'ai pas d'autre arme pour toi. Donc on va te donner un pistolet quand même là, et puis il n'y a pas d'autre. Hein. Non. Non, je vois pas. Il n'y a pas. Et j'ai pas d'autres vêtements à te donner, donc tu peux quand même toujours mettre ça là, mais ça ne sert à rien. Non, ça sert à rien, j'en aurai pas de. Viens comme ça. Et toi, tu n'as plus de main principale, c'est 7. Comme ça, voilà. Donc, à toi maintenant, tu peux. Alors, il y a deux possibilités. Vous pouvez revenir déjà un petit peu en arrière pour récupérer quelques points d'attaque. Enfin, quelques points pas retourner jusqu'en bas. Mais ça prend quand même pas mal de temps. Hein. Vous allez perdre près de 3 tours. Hein. Ah, tu vois, je vais perdre près de 3 tours pour aller jusque-là. Mais bon, là, j'ai récupéré 2 déplacements. Là, j'ai récupéré pas mal de points de vie. Enfin, on va revenir quand même. On va revenir quand même. On va d'ailleurs revenir d'abord avec elle. Tu vas me prendre ça. XP, hein, elle a 25 000, elle n'ira pas au bout, hein, mais on regarde d'abord si on va d'abord lancer notre petite copine ici qui vient récupérer ça, c'est pour les combats, hein, donc ça c'est pas la peine, ça vous coûte 1000 balles, mais pour avoir quelques petits trucs là en bas, j'y vais même pas, ce n'est pas nécessaire. On revient à lui. Lui, il va venir jusque-là. Parfait. Donc, vous pouvez aller dans les chapitres en bas, hein, dans la barre d'avancée de la vidéo, et vous irez directement. Au combat, c'est cela que je mettrai dans les chapitres, les combats. Alors, je vois qu'il y a. Ben alors j'ai perdu un demi-point pour rien. Qu'est-ce que t'as ceci à aller chercher? Bon. T'as ceci à prendre également. Et puis tu vas devoir revenir par ici. Toi, tu vas peut-être commencer par ceci. Et tu reprendras les autres après. Ici. Parfait. Quelque chose qui clignote là. Non. Et puis tu remontes. Sauf que elle peut aller jusque-là. J'ai pris un, ça. Ouais. Déjà exploré. Et il restera ça. Oui, on passe par là, ouais. Ouais, pas grave. Et toi, t'as fini? Non, t'as pas fini. Tu remontes ici. Ah, c'est le plus rapide. On dirait en tout cas que c'est le plus rapide. Et on avance. Bon. Je ne l'avais pas fait. Tiens. Niveau ça. Alors, tu prends quoi? Commandement.
Ça, c'est très bien pour lui aussi. Ça, c'est excellent, mais comme il l'a déjà, on s'en fout. Mais avant l'éclat d'essence, c'est mieux d'avoir, avant de prendre ça, c'est mieux d'essayer d'avoir une des 5 essences. Donc, soit l'ordre, enfin, soit, hein, vous comprenez ce que je veux dire, l'ordre, l'arcane, etc. Parce que sans avoir de palier, ça sert pas à grand-chose, l'essence. Il vous faut du palier. De toute façon, comme je vous dis, lui, il va avancer. On va regarder mademoiselle. Je dis mademoiselle, je ne sais pas si c'est une demoiselle, moi, c'est. En tout cas, elle a une tête à ça, oui. On va venir ici. On va le prendre par derrière. Voilà, elle aime bien ça. À mon avis, ça ne marchera pas, mais bon. Avance. Il est mis déjà exploré. Ouais. Normalement, je crois que la cascade, elle ne fonctionne. Elle ne peut être activée. La plupart des trucs peuvent être activés chaque fois par les bonhommes, hein, par les différents joueurs. Mais certaines choses, comme la cascade, ça ne marche pas. Le verger non plus, par exemple. Et au bout d'un moment, au bout de 2 tours, elle se remettra et on pourra aller de nouveau dedans. Mais donc là, tant pis, hein. On peut quand même essayer, mais. Ouais, et puis c'est l'action, voilà. Maintenant, tu reviens, tu vas aller me chercher 10 attaques là-bas. Mon gros, toi, tu viens ici aussi. Parfait. Et mademoiselle, là, Cécilia, s'il vous plaît, vous allez commencer. Ça, il n'y avait pas besoin. C'est trop cher pour ce que c'est. Donc là, on a 5 de déplacement. On va monter, prendre ce truc-ci. Hein. Donc on vient ici plutôt. Voilà, on saisit le petit panier là. Voilà, merci. Donc celui-là, il est bon pour tout le monde. Il n'y a pas de délai. Alors, nous allons aller prendre la colonie. Voilà. Parfait. Bien. Allons chercher cette colonie. Ah, on voit tout de suite plus clair, hein? Bien. La toute première chose que vous allez faire. C'est, boum, au revoir, pas de tour de garde, j'ai pas besoin de ce truc. Ok? Ça, on pourrait la garder, mais ça va nous faire du fric pour rien. Bon, on va avoir beaucoup de miliciens, mais on va pas les avoir ici, les miliciens. On va les avoir de l'autre côté, là-bas. Et donc, on va pas revenir ici pour upgrader nos miliciens. Donc, ce truc, je m'en fous aussi totalement. Je vire. Bon, oui. Qu'est-ce que je veux tout de suite avant de démarrer? C'est immédiatement avoir un bosquet d'effet. Bon. Et dès qu'il sera fait, je veux l'upgrader. Alors, je fais ça d'abord. Il va me falloir pour l'upgrader, il me faudrait une ferme aussi. Mais bon, on fera la ferme après. Parce que je veux quand même des petits bonbons tout de suite, le plus vite possible. Donc, nous allons aller chercher le plus vite possible également les choses qui repopent après plusieurs jours. C'est 4-5 tours, je ne sais plus exactement. Et c'est celui-ci pour le moment le plus important pour moi parce que il me donne des ambres et du bois. Et lui, il ne donne que du pognon. 500 par tour. On va regarder ce qu'on peut faire jusque-là. Donc, on vient déjà faire celui-ci. Boum. Et on aurait bien voulu aller chercher ça. Ça, on le prendra après. On n'est pas pressé pour prendre ça. Ça, c'est 150, je crois, et ça, c'est une fois 500. Bien, on a fini, on a fait le tour, on n'a plus rien à travailler. Pas du tout. On reprend Cécilia. Cécilia, tu viens ici. Et tu viens ici. Tu prends le pognon puisque tu es là.
Et ça, c'est pas la peine d'y aller. Et au-dessus, il y a un ennemi, non. J'ai quand même quelque chose. Non, je crois que j'ai rien d'autre. Bon. On va l'envoyer par ici maintenant. Viens me chercher ce petit bonhomme. Bonjour, messieurs les cornus. Venez donc dans mon équipe. Merci, monsieur. Voilà, on avance un petit peu. L'idole, je la prends pas. Je la réserve aux autres personnages. Alors, mademoiselle, venez ici. Ok, prochaine bataille, tu auras 10 de défense en moins. Ah non, c'était 300 d'or. Tiens, je me suis un peu trompé. Toi, tu viens là. Bien, toi. Tu fonces par ici aussi. Voilà. Parfait, passez le tour. On prend la petite. Viens me chercher ça. Ok. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, quand vous avez trois personnages, par exemple comme ça, et qu'il y en a un qui a déjà été, eh bien vous verrez ce qu'il y a dedans. Par contre, vous voyez, si je viens ici, avec elle, je le vois aussi, pardon. Enfin soit, vous pouvez quand même voir les trucs qui traînent. Donc toi tu viens ici. Oui, je veux les faire. Je vais les redonner, bien entendu, après à mon copain. Ça, c'est très intéressant. C'est un de déplacement en plus. Ça, c'est un point d'attaque, un point de défense. Celui-ci est plus urgent. Dès que vous pouvez avancer un peu plus vite, ben, vous avancez plus vite, bien entendu. Toi, tu es en premier lieu, ma chérie. Tu es en premier lieu. Tu viens donc aller boire un verre à la taverne accueillante. Nous avons fini ceci. Donc on va immédiatement le muraler. Vous voyez, il me faut une ferme. Donc on va mettre une ferme plutôt ici. Parfait. Nous ne pourrons toujours pas muraler, bien entendu, malheureusement. On peut ajouter là, mais ça bouffe quand même 5 tislunes. Un petit peu chiant. 5 tislunes. Alors, il va quand même falloir aussi agrandir notre colonie. Donc ça, on va le faire tout de suite. Parfait. Et nous aurons la place pour un second bosquet des fées et pour une armurerie ou une académie. Je crois que je vais prendre l'armurerie cette fois-ci. Je prendrai l'armurerie. Et malheureusement, vous ne pourrez pas en faire d'autres, sauf dans les forteresses ennemies qui se trouvent dans cette région-là. Ok, donc toi ma chérie, tu reviens maintenant prendre ça, comme c'était prévu, et puis tu vas, oh j'avais oublié ce petit machin là, oui, on prendra en revenant, ça c'était fait, on va plutôt les, oui on va venir là, oui, pourquoi pas, ça ne dérange pas, je pense, c'est bon. Ok, tu prends le pognon et on continue et tu vas aller me chercher. Alors soit tu as 10 et toi tu as 13. Est-ce que 1000 points t'en as vraiment besoin toi? Oui. Oui, 2, 4, 6, 7. Oui, c'est toi qui vas le prendre. Tu vas les prendre. Et enfin, notre copain Nao. Tu fais le même parcours. Ok, et puis tu vas suivre tout le monde. Tu vas suivre tout le monde parce qu'il y a beaucoup de travail à faire là-bas. Comme c'est non, tu viens là. Voilà, parfait, là t'es bien. Parfait.
Alors, on va directement monter ceci de niveau. Voilà, et on va construire un second bosquet des fées. Et on a encore assez pour le construire. Voilà. Mademoiselle Cécilia, ma chère enfant, voulez-vous gagner un point de mouvement? Parfait, vous pouvez vous servir. On va laisser notre copine faire ça. Toi, tu vas venir par ici. Ouais, pourquoi pas prendre le fric tout de suite un peu, hein. Oui. Et déplacement maximum terminé. Prends le pognon. Et ça, c'est une cour des fées. Tu peux y aller? Là, tu veux. Ah, je suis obligé de prendre ça. Ah, ben tu vas faire le tour, ma belle. Tu vas faire le tour. On a du fric. On a du fric. On va acheter. Ah non, ça, j'ai. C'est une quoi? Tu vois, ça coûte pour 3, donc c'est une cour d'effet, c'est des améliorés. Ah mais je vais pouvoir améliorer mon escouade ici, ça je ferai tout à l'heure. Donc je pourrais améliorer celle-ci. Il y en a 2. Non. Noble fée. Et ça, c'est, ah, ce sont des nobles fées tout court. Non, non, j'ai rien dit. Vous voyez, ça coûte 2. 2 plus 1800 francs, 2 plus 1800 pour avoir un truc comme ça. Et pour l'améliorer, et améliorer, c'est encore plus cher, quoi. C'est, donc vous oubliez, hein, c'est comme les chevaliers, ça ne sert à rien. Les chevaliers, tour lune. Les chevaliers, bon, bah, il vous faut un bâtiment tout seul pour eux. Et c'est ça que je n'aime pas. C'est ça que je n'aime pas avec eux. Alors, toi, mon ami, tu viens récupérer ça. Tu prends. Toi, tu. Oh, 4 d'ambre. C'est beaucoup, 4 d'ambre. Hein. 4 d'ambre, c'est pas mal. Hein. On va la prendre. Si c'était que 2, j'aurais pas pris, mais. Normalement, cercle de pierre. Ok. Là, ici, alors. Fais-moi le cairn. Et viens le déplacement. Parfait. Et puis tu viendras faire ça. Right, petit monsieur, ici. Eh bien, vous allez suivre le chemin. Et toi, par contre, tu peux y aller. Bon, tu peux pas aller non plus. Et ça, c'est un arbre aux offrandes des frais, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc on continue aussi, tiens. On va regarder. Si vous êtes intéressé, bon, on va regarder. Dis-moi, non, d'abord, pas un gaspille, point. Viens là-bas. C'est pour du combat, ça. Fait. Ben, viens. Et on a fait le tour. Maintenant, on retourne au château ici. Qu'est-ce que nous pouvons travailler? On peut rien faire pour le moment tant que celui-là n'est pas amélioré. Ici, je t'ai amélioré déjà, je crois. Oui. Est-ce qu'on veut des enragés? Pfff. Non. Pas vraiment. Ils sont bien, mais bon. À la limite, oui, pour les trucs, mais ça coûte cher, ça coûte 1000 balles. Mais au moins, je pourrais upgrader, quoi, déjà. Pas sûr que j'ai envie d'upgrader non plus. C'est du fric, hein, c'est pas grand-chose d'autre, mais 2005 tissus, c'est pas mal, je trouve, c'est beaucoup même. Ok, on a fini le tour, je crois que oui. Et elle aussi, je pense. Ok, on tourne.
On économisait du pognon pour les choses utiles uniquement. Et donc, les choses utiles, c'est en premier lieu, ça va être mes fées. Et trois d'ambre, mine d'expérience. Allez, prends l'expérience cette fois-ci. Viens me chercher ça. Parfait. Donne-moi tout. Alors, je veux tout. Est-ce que j'ai la place? Oui, hein, déplacement maximum. Attention, j'ai plus trop de place là. Faire attention à ça. Ok, il faut y réfléchir. Viens ici. Un ordre de création et tout ce qui vient avec. Tu avances. Tu viens lire un petit peu le bouquin. Je comprends pas moi pourquoi chaque fois les développeurs ils font des trucs qui font ligne par ligne, non, mais le texte d'un coup quoi, on n'est pas... Quel est l'avantage? Sincèrement, je n'ai jamais compris l'avantage de faire défiler, et puis surtout quand vous entendez le bruit de la machine à écrire quoi. Tac 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 tac, à chaque lettre qui vient quoi, c'est... Je sais pas, c'est peut-être un souvenir des années 90, hein, des années 80, quoi. Effectivement, à l'époque, là, tu vois, ici, j'ai le droit d'y aller. Hein. Très bien, la nominescence, hein, ça vous donne un truc de tout. Tu vas me changer... tu vas venir ici. Et tu vas échanger avec mademoiselle ici. Je veux plus de ça. Donne-moi plus tout. Ça vient ici. Tout. Oui. Un peu de disque, non, il faut au maximum point. Ok. 20, 10 viennent ici derrière. J'aime bien le chipotage, hein. Désolé, j'aime bien que ça soit un peu rangé. 1, 2, 3. 4, ça commence à devenir intéressant. Toi, ben, tu n'auras qu'un seul bonhomme en tout et pour tout. C'est bien comme ça. Voilà, on y va. Ça, c'était de l'ordre. Ok. Donc, maintenant, tu bouquines. Voilà, un d'attaque, un de défense, un de déplacement. Ça, ce sont des choses à prendre très rapidement, bien sûr. Et puis, tu veux venir ici aussi. Là, tu ne pourras pas y aller. Puisque moi je vais y aller avec ma gonzesse ici. Donc toi tu vas venir ici. Ouais, j'aurais dû juste me taper juste derrière elle, c'était plus intelligent. Mais c'est pas important. Toi ma belle, tu veux le cairn, tu l'as pris? Non, tu n'as pas pris. Un petit peu de démon. Voilà. Ça, tu l'as pris? Oui. Alt. Ok, t'as un artefact à aller chercher. T'as ça à aller buter. Et un bosquet d'effets. Ok. Bam. Voilà, tu ne prends surtout pas ça. Tu prends ça, tu as le droit. XP, tu viens me chercher ça. Tu prends tout. Oui. Ah, il faut que je fasse un... Terminé. Nous n'avons malheureusement pas assez d'énergie. J'aurais dû faire plus attention à ça. J'aurais pu le prendre un coup plus vite. Si je n'avais pas été chercher la céleste. Donc on revient ici. T'as pas fini, ok. Allez, on y va. Bon, on prend d'abord ça. Et puis maintenant, tu peux prendre ça. On y va. Toi, ma belle, tu es la ramasseuse. Bien. Un bosquet d'effets. C'est bien, un bosquet d'effets. Ok, on va les acheter. C'est cher, hein? Non, c'est beaucoup plus cher. Que dans votre village.
malheureusement, je peux encore acheter. Ah, il n'y en a plus. Mais vous n'en recevez que deux par bosquet, donc c'est un peu chiant. C'est pas assez, quoi, si vous comprenez ce que je veux dire. Boum. Oui, donne-moi tout. Voilà, je commence déjà à avoir un bon paquet d'unités qui sont importantes. Et cette dernière chose-ci, très importante, ça bénéficie à tout le monde. Tout le monde aura plus un chaos par tour, grâce à quand vous prenez des tours. Suivant, c'est toi. Effectivement, toi tu viens plutôt là. Tu prends ici, bien. Viens de prendre quelques points là. 1000 XP, hein, c'est pas si mal. Hein. Tu vas me chercher ça. 3 ans, ah, prends les XP. J'ai fait une fois 4, c'est bien. Tu vas revenir par où? Donc on a fait le tour par ici. Je crois que... on prend ceci. Bien. Tout le reste a été fait. On va aller à la maison. Je sais plus à quoi il sert celui-là. Je sais plus. Ensuite, elle a fait tout. Oui, toi mon ami, il te reste qu'est-ce que... Oui, donc là tu peux plus aller. Hein. Donc c'est bon, tu viens ici. 1000 XP. Là tu peux venir là aussi. Parfait. Et puis tu... Toi tu vas redescendre par là. Même si tu pourras aller là, mais je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Je vais faire donner l'expérience aux autres. Donc, comme je disais, toi, tu viens, va par ici. Même si tu peux plus aller, pourquoi tu viens pas jusque-là? Voilà, c'est mieux. Est-ce que tu as quelque chose à refiler? Non, tu n'as rien à refiler. Est-ce qu'on a... ici, on peut travailler de nouveau. Donc, nous pouvons tout de suite améliorer ceci. Il me faut 5 bois. Et je n'ai pas les 5 bois. Et ça me chagrine énormément. Énormément. J'aurais dû y penser avant. Tant pis, c'est pas grave. On fera ça. Je pourrais monter un marché pour ne pas me faire embêter. Est-ce que j'ai du bois quelque part? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Alors, je n'en ai pas. Je sais qu'il y en a là quelque part. Mais il faut combattre. Voilà, il y en a ici. Ici, t'en vois. Tu vois? Pas de bois là. Mais je suis obligé de combattre un et deux, un deuxième monstre. Un monstre ici, un monstre ici. Et puis j'aurai accès au bois. Où est ma copine? Ma copine, elle est là. Mais il va lui falloir plusieurs tours. Il faudra au moins deux tours. Tant pis, hein, on fera avec. Hein, on fera avec, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, je prends la grande armurerie. La grande armurerie, c'est excellent. Hein. Mais travailler que les fées, bien entendu. Et puis, l'académie, ça, c'est pour augmenter le nombre de petits bonshommes. Mais on va travailler plutôt l'académie, voilà. Tout que le temps que ça vienne. Je pensais, j'aurais pu faire une... comment dire? J'aurais pu travailler une taverne, un marché plutôt. Mais bon,
Parce que vous pouvez le revendre après, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Bon, toi, t'as fini ou pas? Tu as fini. Et toi, je crois que t'as pas fini. Hein. Si, t'as fini aussi. Et toi, le déneige. Ok. Pas du tout. Ah. Parce qu'il va me falloir 3 tours, je crois, pour construire. Voilà, on a beaucoup de personnel. Et ça, c'est un repère de bandits. Est-ce que je le fais avec elle ou est-ce que... C'est possible qu'ils s'enfuient. Hein. On va prendre un peu de fric, on n'aura pas le temps. Ouf, non. Je vais le laisser aux autres. Je vais le laisser aux autres. Je vais le laisser aux autres. Je ramène tout ce qu'il faut ici. Voilà. Ramène tout. Qui est-ce qui est en premier lieu? C'est toi. Qui vient? Ça t'as déjà fait. T'as déjà fait. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Et viens donc par ici. T'as personne avec toi. Hein? Non, t'as personne avec toi. Ok. Viens par ici. Ok. Toi, ma chérie, t'es déjà remplie hein, dans ton truc là. Ouais. À la limite, tu pourrais. Ça, on a fait un bouquet d'effets. On pourrait en acheter encore. Pour en acheter deux. Voilà. Normalement, c'est 350, ça fait 700, j'ai payé 750, c'est pas très important. Il n'y a pas une grande différence. On va venir attaquer ça. Ou bien on redescend et on comme ça on a fini. Parce que là, je commence à... Si vous commencez à tourner un peu partout, mais il me faut quand même du bois. Il me faut du bois. Il me faut du bois. Je vais aller chercher le bois et puis je reviens. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a des rampants, des ravageurs, des rampants. Ça n'avance pas, ces trucs. Enfin, ça fait... si, il y a les ravageurs, je crois, qui avancent très vite. Mais enfin, soit, c'est pas grave, on est costaud. Lui, il rajoute un petit peu de... Comment vais-je dire? Ça vous donne du... de l'initiative aussi. Le monsieur ici. Monsieur ou madame, je ne sais pas. En place là, on devrait avoir pas trop de difficultés. Combat. Ici, étant donné que ma copine est, a du palier, a des paliers en carreau, vous allez voir tout de suite que donc, elle a un palier de niveau 3. Et donc au lieu d'avancer d'une case, elle avance de 3 cases. Au lieu de pouvoir échanger sur 3 cases, dès qu'elle aura des paliers dans la création, ça augmentera aussi la distance, etc. Ici, par exemple, si vous avez du palier dans l'ordre et la création, au lieu de faire moins 50 de portée pour une escouade à distance et demie, ça sera pour deux et puis pour trois. Et puis partout comme ça, quoi. Voilà. Donc pour le moment, moi je n'ai que des choses comme ça ici qui sont vraiment intéressantes. Donc nous allons pouvoir tuer les trucs, mais comme ils ne peuvent pas venir, sauf lui certainement. Voilà, lui, il est là et moi j'ai ce monsieur-ci. Ok, il recule lui. Donc.
Oui, celui-ci ne peut toucher que mon vin, mais mon vin joue avant lui, ce qui est parfait. Donc, je ne vais pas bouger à part là. Voilà, on vient là et on ferme. Toi, tu recules d'une case. Bien. De nouveau, il va vers le plus faible. Et le plus faible, c'est celui-ci. Bon, est-ce que les autres peuvent m'atteindre? Il y a un deuxième gobelin. Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas venir attaquer celui-ci pour le moment. On va patienter le tour. D'un autre côté, j'ai déjà 13. Voilà. Est-ce que 7 c'est suffisant? Tu vois, j'ai pas assez avec 7, bien entendu. Hein. Pardon. D'accord. Ok. On continue, on économise. Alors maintenant, là, je pense que 7, 9, c'est bon. Ouais, ok. On va travailler sur ça. Maintenant, je crois que 8-10. Est-ce que je peux encore le faire? Je crois pas. Yeah. Non, je peux pas le faire. Ok, bon, on va. Il va pas me faire beaucoup de dégâts, vous voyez, hein, de toute façon. Donc, bon, on va avancer un petit peu pour le plaisir. Parce que ça sert à rien, mais bon. Tu veux me buter quelque chose? 6-8, 1. Hein, ça sera pour le. Le 7 va pouvoir faire ça. Sauf que lui il va bloquer. On va plutôt faire ça, voilà. Boum. Allez, venez les petits gars. Oui, ils sont lents. Hein. Il n'y a pas grand risque d'avoir quelque chose avec eux. Bon là j'ai 23. Cette fois-ci avec mon gros palier et ma canalisation, ben là. Je fais un petit peu plus de dégâts, donc on va quand même les lancer. Faites toujours attention d'être à distance, hein, bien sûr. Tu vois qu'ils ont des points de vie, hein, ces petits jeunes dames. Donc, moi, je peux tuer ça. Est-ce que je peux tuer ça? Je peux tuer ça aussi, mais je passerai dans la ligne. Donc, on utilisera plutôt celui-ci. On va buter quoi? Le 3 qui va venir nous embêter. Ouais, donc il faut buter le 3 en premier lieu. Mais après, j'ai le 20 qui est là-bas. Ouais, c'est le 3 qu'il faut que je me fasse. Bute-moi ça. Merci. Toi. Qui est-ce qui est suivant? Ici, il faut buter le 1. Bah donc, tu viens buter le 1. T'as pas le choix. Voilà, le 20, tu viens buter ça. Oui, 5 c'est juste. Après j'ai un 7 aussi. Le 7, donc toi tu butes. Écoute, je viens faire ça. De toute façon, on n'aura pas de difficulté. Je peux de nouveau lancer un 2. Je suis à 3 cases. Je peux. On va pas s'embêter, on va lancer un sort. Voilà. Donc, ils sont finis. Et ça nous fait un petit peu l'expérience. De l'expérience, on va en avoir à vendre. Surtout une fois qu'on arrive avec les qu'on va combattre les thaumaturges extérieurs, c'est par 5-6 000 points que vous allez gagner d'office. Vous voyez, c'est un beau petit paquet de points. Donc on monte déjà de niveau, ce qui est parfait. Alors, donc pour le moment, je voudrais quand même augmenter, mais la création m'importe. La création m'importe aussi. Je regarde où j'en suis. On a 2, 4, 6, 7. Mais ça, c'est parce que nous avons aussi ce petit truc-là. Donc, je vais. Ce qu'on va faire, c'est prendre un point de création. Parce qu'on est on a un petit peu trop loin pour rajouter des gens. Et le coup prochain, ça sera un commandement. Comme ça, on le bloque. Donc ça c'est intéressant pour la main secondaire, hein, on en a besoin. Voilà. Donc
Alors il y a des trucs encore à prendre tout plein. Là, il y a une tour de la création par exemple qui est très importante. J'ai besoin de bois tout de suite, moi, donc je vais prendre un peu de bois. Elles ne veulent même plus m'attaquer. Je suis déjà trop fort. Et nous, ça c'est des bandits, on peut aller les faire. Hein. Et puis j'ai ça, où est-ce que j'en suis? Elle ne peut plus bouger. Elle ne peut plus bouger. Elle ne peut plus bouger, malheureusement. Ok, on continue. Toi, ma belle, tu vas pas réveiller ça, non, pas encore. Tu vas venir. Tu vas venir par ici. Un petit peu plus bouger. Et toi, t'as fini aussi? T'as fini aussi. All right. Donc, on construit, on y va. Je peux construire qu'un bâtiment à la fois. Mais je crois que c'est par colonie, hein. Vous pouvez construire un bâtiment à la fois. Donc, toi, mon ami, est-ce que tu vas me faire quoi? Tu vas aller te fournir. Tu vas patienter. Et voilà. On va venir prendre du bois. Un de bois. Parfait. On attaque ici. Là, je n'ai pas de problème. Comme vous pouvez le constater. On prend le bois. On prend ça de toute façon. On ne peut plus prendre de bois. Mais on peut aller au moins prendre le moulin à eau. Intéressant, le moulin à eau, ça vous fait 200 d'or. Et puis, on va aller prendre ça. Et du prenons, je vais en avoir besoin. Hein. Et puis, on va redescendre par ici pour aller... Il y a un truc à reprendre par ici. Ok, donc, est-ce que j'ai assez de bois pour... Donc ça c'était ok, ça c'était amélioré, voilà, c'est ça que je veux faire. 5 bois qui me manquaient, on est là, parfait. Donc on n'est plus trop pressé, on a une rentrée automatique. On va revenir avec elle. Je sais qu'il y a taverne, on s'en fout. Viens te prendre un peu de pognon, on prendra après. Viens prendre ça. Voilà. Ensuite, toi qui es la plus proche de mon bidet, est-ce que tu peux déjà prendre des sous? Non, tu peux pas encore prendre des sous. Là, on peut. Toi, tu peux prendre des sous. Boum. Oui, 7 bois, 3 ambres anciens. J'avais même pas besoin d'aller là-bas au bout, tiens, finalement. Donc, toi, tu tournes plus vite. 7. Pour le moment, tu vas venir me chercher bien, tu vas venir me chercher des trucs. Peut-être pas. Toi, ma belle, t'as plein de choses. Hein. Oui, c'est juste. Est-ce que tu peux? Oui, tu peux. Oh merde. Dis donc. On va faire tout le tour comme ça. C'est un peu con, ça. Alors, tu vas venir donner des choses à notre ami. Viens là. Ok. Toi. Ok. Donc, tout. L'autre côté, combien j'en ai, je sais plus combien j'en ai chez la dame. Tout. Regardons un petit peu où on en est avec elle. Il me manque, là je suis à fond. 13 esprits. Ok. 13 esprits. Toi, tu en as encore 10. Donc ça, tu peux lui donner. Voilà. Tout.
Il me manque cet esprit de l'autre côté. Tu as trouvé quelque chose de joli, mais ça tu vas le donner à... Non, tu ne vas pas le donner à notre ami. Ils n'ont pas tellement besoin de défense, ils ont besoin d'attaque. Ils ont besoin d'attaque. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé, nous, une belle petite arme secondaire ou pas? Non. Tout ça, c'est pas des bonnes armes. D'accord. Donc, je vais quand même donner ça à notre amie là-bas, le temps qu'elle trouve une arme de poing correcte, une arme au choix commun correcte. Donc, toi, t'as 11 d'attaque. Il ne m'en manque que 7 de l'autre côté. On va faire ça. Non. Ceux-là, on va les laisser ici. Et on va mettre plutôt les chevaux en attendant pour les finir, les chevaux. J'ai pas de chapeau, j'ai rien du tout. Hein. Bon, c'est bon comme ça. Alors, ben on va peut-être déjà commencer à te remplir. Hein. Donc, il nous reste 8. On n'a que 6000 points. On n'a que 6000 points. Et comme vous voyez, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Bon, pour le moment, tu restes comme ça. T'as pas assez de pognon. J'ai pas assez de pognon, je veux dire, pour faire ça. Viens de chercher un truc à la con ici, je suppose. Viens ici, d'abord. Merci. Prends chez la forgeronne, prends ce qu'elle te donne. Une massue d'os. Alors, une massue d'os, elle est venue ici. Parfait, 4 d'attaque. C'est mieux que rien. Ensuite, tu vas venir récupérer la mine de pierre. C'est fait. En même temps, comme ça, tu auras des... Je ne sais pas si tu peux tuer ça. Facile, 100. Pas sûr, hein. Pas sûr. Sans dégâts, je veux dire. C'est ça que je veux dire. Mais bon, occupe-toi déjà de ceci. Toi, t'as fini. T'as fini. Toi. Et tu as fini. Alors, est-ce que nous avons quelque chose en plus? Non. Non. Et ici, est-ce que je peux... Je t'ai amélioré. Ok. Est-ce que je veux mettre 2000 balles? Non, pour le moment, je ne veux pas mettre 2000 balles pour avoir des... pour avoir des cornus. On va encore en recevoir, je crois, un petit peu par-ci, par-là. Alright. Donc, nous voici au tour 19. Alors, le tour 19. Bon, viens. Ah, tu peux pas. Toi, tu peux pas venir ici. Pourquoi? Parce que si je viens là, je vais me prendre. Il y a une cinquantaine de petits bonshommes là. Et je vais devoir les. Bah, note que je peux les combattre hein, pour faire un peu de points. Mais bon, c'est un petit peu con quand même. Tiens, donne-moi ça. Ceux-là, je vais peut-être. Non, je prends pas les trucs comme ça, mais. C'est pas ça que je veux dire. Mais viens dans le coin. Si tu veux venir ici, tu te fais quoi? Ouais, viens là. Voilà. Nous avons une superbe petite taverne accueillante. Hein. Bien. Alors, soit je peux te péter par ici. Ce qui peut être aussi une bonne idée. Soit je peux redescendre et aller chercher la mine ici. D'un côté ou d'autre, autant revenir par ici. Je vais quand même peut-être prendre ça. Ce qui me permet de... Au moins de gagner un petit peu de sous, quoi. La ferme. Enfin, un peu de sous, hein, la ferme, normalement. Alors, c'est des spectres. Hein. Donc, à la limite, je peux mettre ça là. Le 7, il vient là-bas au bout.
Allez, reste là. 13 ici. Toi, tu viens là. Ouais. Bon, tu viens là, c'est bien. Ok, ça c'est du 20, du 20, du 20 et du 13. Donne-moi du 20 ici. Bien. Ok, donc ces messieurs, dames peuvent nous toucher. Heureusement, notre initiative est un petit peu plus grande que la leur. Ils sont une initiative de 20. Donc normalement, avant un combat, vous verrez, vous, si vous voulez être sûr, vous regardez d'abord donc quelles sont les unités qui vont venir, combien il y a de stacks, et vous pouvez savoir combien il y aura de je veux dire, à peu près de différence par le nombre de stacks maximum qu'ils peuvent avoir. Et vous allez voir le codex, et puis vous regardez dans le codex, tiens, est-ce qu'ils ont de l'initiative, quelle est leur initiative par rapport à moi. Par exemple, si j'avais regardé ici, mais bon, je suis sûr de mon coup hein, avec elle, comme ceux-ci peuvent faire 2, 4, 5 cases, eh bien, on aurait vu au placement, vous comptiez le nombre de cases, vous saviez qu'il y en a un qui aurait pu être attaqué chez moi. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux vérifier l'initiative à l'avance. Toi tu peux rester là. Toi, comment est-ce que j'ai là pas encore assez. Vous avez 10 et vous avez une vie de 300. Moi je peux faire 200 de dégâts avec le... Donc bah, toi tu vas rester là pour l'instant, tu peux pas te faire toucher. Toi par contre bah, tu recules un coup. J'aurais dû reculer un peu plus. Mais non, ça va, c'est bon comme ça. Je le termine, j'attends d'avoir mes points. J'ai 14, c'est fait. On va... Non, j'ai pas 14, j'ai 13, sans doute. Je vois pas grand-chose avec mes yeux. On ferme ça. Toi, tu peux pas être attaqué non plus. Mais maintenant, j'ai assez de points pour balancer... un petit sort de derrière les fagots. Voilà. Il est costaud. Hein. Ce personnage-là, c'est le meilleur que vous puissiez avoir. L'autre est bien aussi. Hein. Le Gnaw, il est très 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 bon aussi. Hein. Tu peux venir buter 4, toi. Non, tu peux pas buter 4. Toi, tu peux buter quelque chose. Hein. Oui, hein, tu peux buter 4 ici, par exemple. Voilà. Ensuite, toi, tu fais rien du tout. Voilà, tu pourrais buter 4, mais tu bouges pas. Il y a tout ce qu'il faut derrière. Toi, tu peux buter ça. Voilà. Et le petit dernier vient me finir ceci. Donc, moi, je vous conseille maintenant, vous pouvez encore regarder un petit peu les batailles si vous avez tenu le coup jusqu'ici. Mais bon, après, il n'y aura plus que véritablement les batailles. Ah, allez, disons qu'on aura peut-être encore une ou deux batailles tant que je n'ai pas tout ce qu'il faut. Mais après, vous sauterez directement sur les batailles contre les taumaturges ennemis.